Clan. Bonjour à toutes et à tous, Léo, bienvenue dans ce nouvel épisode de Project Zomboid. On se retrouve à 3, hein, parce que pour ceux qui n'ont pas vu ma vue, il s'est passé des. La vue de Slan plutôt, il s'est passé des trucs. Salut tout le monde. Salut. Il est où Slan? Il est à la maison, sur le billard. Slan, tu me fais un café, Slan. Donc oui, pour ceux qui se souviennent, hein, quand j'ai déconnecté et que j'ai arrêté l'enregistrement, on était dans la voiture, hein, sauf qu'en fait, eh bien, il se trouve qu'apparemment, quand on se déconnecte dans une voiture, la voiture s'est envolée dans les cieux avec Slan dedans, et il a malheureusement perdu la vie. C'est pas moi, direct. Voilà, et j'étais pas au volant pour ce coup-là. Alors je vous invite à aller jeter un œil à sa vue de l'épisode précédent si vous voulez. Oh, juste ces 10 premières secondes, ça suffira. Alors est-ce qu'elle roule encore cette voiture? C'est la question. Oh, ça serait vraiment dégueu. Ah, ça tente de démarrer. C'est vrai qu'on a plus l'ambulance. Ah oui, elle démarre. Bon putain, elle ressemble à rien la caisse quoi, mais... Elle roule. Le moteur, est fonctionnel. Attention quoi. Le canon. Hein. Wow. Eh mais je vous rappelle que j'ai plus rien sans ma voiture, sans un téléphone. On a failli se faire heurter par une poubelle quoi. Une poubelle sur roue. Putain, j'ai plus de pare-brise, j'ai plus de porte, y'a plus rien. c'est ce que je dis quoi. C'est une voiture fantôme qui sort de la décharge quoi. J'arrive encore à écraser des zombies, c'est la bonne nouvelle. Ah. Elle est encore assez lourde pour ça. Ce serait bien une bazounette ça. Alors et là, c'est là que normalement on devrait faire et que le truc il s'ouvre, mais. Ouais. Ça s'ouvre pas. Ah attention, hop là, la chute terrible, la peau de banane en sortant. Ah mais t'es bête aussi, se cacher sous les corps des zombies là. Je fais la circulation. Vas-y. Faites gaffe, j'entends des zombies quand même là. Allez. On non, rentre, c'est pas. Damnet qui rentre, c'est pas les zombies. Dédié à Damnet qui t'a porté tout ouverte, il peut arrêter de taper au mur. Ah d'accord, ça va alors. Oh Slan. Ouais, il y a des chiffons sales quelque part. Comment tu vas? Ah ça bah je me sens comme un sous-neuf. Comme un sous-neuf. Ouais. Il a encore été boire sans doute. Bon bah du coup cette expédition est quand même plutôt un échec, hein. Il faut le dire. Non, on a réussi à ramener la voiture. Oh non, mais il y a du rangement à faire, oh non. On va foutre ça là. Alors, la dernière fois que j'ai ouvert la porte pour voir qui frappait derrière, je me suis fait égratigner. Tu veux que je vérifie? Non, ne fais pas ça. Très bien. Allez, on va bouffer cette salade. Il me manque de la poudre. Tout va bien. C'est quoi là? Qu'est-ce qu'il a foutu? Rien. Il fait noir dans cette maison. Ouais, faudrait peut-être remettre de l'essence dans le truc. On a ramené de l'essence. De la quoi? Pourquoi elle est ouverte la porte de la base? Parce que je fais le tour. Ah. Et en attendant, tu laisses grand ouvert du coup. Bah oui. Pour être sûr qu'il puisse rentrer quoi. Alors on avait fait le plein de ma voiture, donc au pire on peut la siphonner. Parce que je pense qu'il y a plus bonne caisse. Ouvre la porte de ton atelier, tu vas rigoler. Non. T'es pas joueur. Hein. Non, puis je suis plus joueur. Vous pouvez... Quelqu'un sait où il y a... Ah, il y a de la laque. Allez, chargeons un peu le sac. Je cherche la poudre à canon. Je sais pas si j'en ai fait. Ah si, normalement si. J'en avais fait, j'avais fait toutes les balles de 45 en poudre à canon. Mec. Bon, normalement, on devrait plus y avoir de problème. Faut de la poudre à canon. Et la lumière fut. Des ouais, boîtes parce de que bon, hein, c'est pas tout ça, mais du coup, on a plus nos. On a plus nos frigos qui fonctionnent hein, quand c'est éteint. Ah ouais. Ouais, donc du coup tout a moisi. Non, ça va. C'est toujours frais. Ça tient encore un petit peu. Et c'est ouais, c'est ils sont bleus les trucs donc. Parce qu'il fait pas encore super chaud à l'extérieur. Cupcake, machin, voilà, des citrons. C'est-à-dire qu'il risque de pas de faire de plus en plus chaud. Du brocoli. Ah, c'est fou.
Je trouve rien de ce que je veux. Même des bouteilles vides, on en a pas? Si, on en a. J'en ai une sur moi, si tu veux. Ah, je veux bien. Faut que ce soit une bouteille d'eau vide, sinon ça marche pas. Ouais, je te la fous dans le bar tout à droite. Merci. Ah oui, c'est vrai, j'étais un... Ah oui, ça marche. J'ai une batterie de voiture de type résistant. Ça, je dirais que ça va aller dans ton atelier. Ça. Il m'en faut d'autres maintenant. C'est vrai que j'étais égratigné, moi. Ah, ah. Mettez-le dehors. Tout va bien, tout va bien. Faut le mettre dehors. Ah, une ouais, petite bah, briquette de jus de fruits, tiens. On va boire ça, vu que j'ai soif. Ouais. Je pourrais prendre 2-3 bouteilles d'eau. Je vous préviens, si je dois mourir, j'irai me suicider au fusil à pompe dans la bouche devant la base. Non, bah non. Ah bon ? J'emmènerai tout le monde avec moi. Franchement non. C'est ça. Le gros connard. Tout le monde mourra avec moi. Ouais, c'est ça. Attends, j'ai des macaronis au fromage dans mon inventaire, quoi. Merci aux viewers de ne pas dire aux autres ce que je suis en train de faire, sinon je vais encore me faire engueuler. Qu'est-ce que tu fais ? Ça veut dire qu'il fait des bombes. Nettoie le sol avec notre eau. Où il boit de la javel. Notre ah non, la javel, ça y est, j'ai donné. Et j'en suis pas mort. Et je n'en suis pas mort. Ouais, c'est ça le pire. Je crois que tu dois vraiment cuver la bouteille entière pour en mourir. J'ai de la javel si tu veux sur moi. Soif moins 60 quand même, hein. C'est encore mieux que l'eau. Oh bien, la vache. Ça vaut la classe, hein. Ah oh, putain, mais c'est pas possible quoi. Ils ont craqué les mecs. Ça c'est pour que t'aies envie de la boire quoi. Ouais c'est ça parce que putain. Alors le bandage adhésif ça va par là. Après t'as clairement plus soif hein, de toute façon. On a plein de jerrycans d'essence hein. Vide. Combien pas tous. Cartouches sur moi. Ouais. Majoritairement. Moi j'avais besoin de poudre à canon et on en a des faits mais je sais pas où on l'a mis. Moi j'ai des balles à démonter si tu veux. Et j'ai besoin de poches de glace et du journal. Tiens, il y a des poches de glace ici. Des poches de glace. Ouais, tu trouves ça dans les congélateurs en général. Ouais, il y en a une. Est-ce que tu peux en faire, tiens, dans le jeu, je sais même. Il faut des charnières de porte ici, ça tombe bien. Des charnières de porte. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Ça m'inquiète. Ouais, mais je fais rien, je les range. Attends, le mec il est stressé quoi. Ouais, parce qu'on a des gens quand même qui sont sympas dans ce monde et qui rangent. Contrairement à oui, d'autres. Bah, moi je suis en train de ranger. Attends. Tout ce qui était à gauche, je le mets à droite. S'il te plaît, t'emballe pas avec le mot ranger, quoi. Hein? Tout ce qui était à gauche, je le mets à droite. Donc franchement, je vois pas ce que. Excuse-moi, devant ta porte de garage, il y a un bouton, un déplantoir et un stylo. Et je rentre, il y a une bouteille de soda vide, quoi. Ah, bah ça, c'est intéressant, par contre, tu vois. Ouais. Ah, il est en train de nous faire des cocktails Molotov, là. Je le sens. Gros comme une maison. Bah. Encore foutre le feu à tout. La dernière fois qu'il a fait ça, il faut pas utiliser ça. La dernière fois, on a brûlé le Twiggies. Maintenant, moi, je m'en sers loin. Non, moi, j'ai un briquet et deux allumettes. C'est simple, je vais les donner à tout le monde. Je vais aller à l'armurerie voir s'ils ont de la poudre à canon parce que vous avez tout volé, vous. Je sais pas ce que tu racontes avec ta poudre à canon. Ouais, je comprends pas non plus, mais je pense qu'il a un problème, ce monsieur. Il est déjà sénile, c'est l'âge. Il y avait de la poudre à canon avant, je suis sûr. Ah bah il est plutôt jeune hein, Slan hein. Plutôt la retraite. Vous l'avez emmené avec quoi au Moyle. Mais pourquoi on a autant de voitures? Bah il y a celle qu'on a jamais pu ouvrir et qui était déjà là et puis il y a les autres quoi. Tout est glingué celle-là. Et l'ambulance, on a perdu la clé. Cette voiture. Par exemple. Marteau, masque. Oh là là, l'état de la bagnole. Il reste le toit qui en est. Tiens, bah amuse-toi, Slan, tu peux la démonter celle-là. Non, elle roule. Il y a plus de frein sans la droite. Ouais. Il y a plus d'amortisseur, le pot d'échappement est mort, le silencieux est mort, donc elle doit faire un max de bruit. C'est bien. Il reste deux fenêtres. Ah, tu vois, finalement. Le coffre est pété, le capot est pété, le pare-brise est pété, les portes sont pétées. Putain, c'est. Je me demande quand même pourquoi ça a mal tourné comme ça cette histoire. La batterie est à 100%. Condition générale, pas 50% des cartouches quelque part. Ouais, je trouve que c'est généreux hein. Je vais aller en ville chercher l'armurerie. 50% putain pour cette épave là. Ouais. Bah en gros, c'est facile hein. Il y a 50% des trucs qui sont à 100% et 50% qui sont à 0. C'est simple et efficace comme ça. On l'a vidé le poste de police Oui. Ouais, il me semble. Mémoire, ouais. Oh là là.
Et sinon, tu défais des boîtes de cartouches et tu fais de la poudre à canon. Je sais même pas où elles sont, les boîtes de cartouches. Bah, toujours au même endroit, dans le coin du bar. Et tiens, c'est marrant, il y a 135 poudres à canon dedans. Dans l'endroit où il y a les munitions. C'est bizarre. Hein. Mais je la vois pas. Bah, si tu regardes un peu plus, genre à droite du micro-ondes. Dans le meuble. Bah oui, mais je voyais pas ce truc-là, moi. Alors, est-ce que si je la prends. À pouvoir s'amuser. Je peux, et que je mets une allumette dessus, ça fait des trucs. Il y a une bombe tuyau. Je sais pas, essaye de fumer et en même temps prendre la poudre à canon. Alors, je peux déballer. Tu sais que faire une bombe à des bombes à tuyaux, on m'a garanti c'était du 100% bon résultat. Je sais pas pourquoi c'est un peu. Enfin... Arrête-toi, stop. Et il me faut de la ficelle maintenant. La ficelle? Ah, mais y'en a plein là. Voilà. Alors maintenant qu'elle est là, et que si je prends une allumette et que j'allume ça dans le Twiggies. Voyons voir. Voyons voir. Ma maman m'a toujours dit de ne pas faire ça, mais ma maman n'étant plus là. C'est lesquelles les cartouches où on n'a pas besoin? Je t'en remets de la poudre à canon. Ah, c'est 223. Regarde, je t'en remets. Bah, on n'a pas, pas suicide d'assaut et on a juste des petits flingues, donc je pense que c'est 223. Jouez pas avec les armes à feu, s'il vous plaît. Dit-il. Y'a quelqu'un qui a tiré dans la base ou c'est encore l'event qui fait. J'ai rien entendu, moi. Pour moi, c'est l'event. Moi, j'ai entendu, clairement. Je t'ai reposé de la poudre à canon, Slan, si tu veux. Ah, merci. Voilà qui va me faire plaisir. Bon, le seul truc qu'on a, de toute façon, c'est des fusils à pompe. Oui, y'a des fusils à canon scié. Mes petits légumes, ils poussent, hein. Regardez les petites pommes de terre, c'est trop mignon. T'auras peut-être une chance de faire une récolte. Ah, c'est des pommes de terre, ça ? Tu as assez de ficelle. Non, là où t'es, c'est des pommes de terre. Des carottes. Là où c'est des pommes de terre. C'est pas bien. Ah, c'est des belles pommes de terre. C'est des carottes. Ah, c'est bon, ça. C'est des carottes. C'est bon, ça. Oh, c'est beau, tes bambous qui ont poussé. T'as vu, hein ? C'est fertile, les bambous. Hein. Ah ouais, putain, ça monte bien, hein. Bon, alors, pour qu'on m'accuse pas... C'est dégueulasse tes vers de terre au sol. Ben ouais, mais je sais pas quoi en foutre, je les ai laissés là. On se croirait dans Alien, quoi. Tenez, regardez ce que je vous dépose au sol. C'est pas un vers solitaire, c'est vrai. Ouais, ça c'est pas un vers de terre, c'est un vers solitaire. Des bombes tuyaux. Voilà. Des bombes tuyaux. On peut aller tester ça dehors. On va l'appeler Slan les bombes. Bien sûr, tu peux aller tester ça dehors, plutôt plus loin que près, mais oui. Équiper, ah bah ouais, puis faire une attaque normale, bah, pour lancer. Non, mais je préfère parce que, ouais, voilà, tu vois ce genre de truc au moment où il faut l'utiliser. Donc, voyons voir. On met ça en objet principal. C'est super lourd cette merde. C'est pas léger, ouais. Y'a un zombie qui te poursuit. Vite, bombe tuyau. Il me faudrait un tube en métal. Ah ouais, fais gaffe, toi. Je vais passer derrière toi, je crois. Ouais, vas-y, on va faire ça. Même, hein, parce que ça couvre toute la zone, hein. Bon, attends, je vais reculer un peu, alors. Ça couvre tout l'écran, hein. Surtout les bombes incendiaires. Non, j'ai pris la bombe tuyau, là. Ça va aller, alors, t'inquiète. Ok, bon, bah, ça va, alors. Tu peux me faire confiance. Ah ouais. Ok. Pas que t'aies peur. Ça va. T'es va mettre le feu au Spiffos, quoi. Ah bah non. Je pense pas. Je pense qu'il est trop loin, le Spiffos. Je pense aussi, ouais. Y'a plus qu'à les faire passer dans le feu, quoi. Mais j'ai envie de dire, tu vas bientôt le savoir. Bah attends, sinon j'en balance une autre. Comme ça, on est tranquille. Mais arrêtez. Mais c'est pour se défendre. Mais ils font quoi? Bah on teste. Vous savez, vous savez, ah ouais, qu'on a utilisé toutes les ressources qu'on a récupérées depuis le début pour faire 15 bombes et après c'est fini, hein. Ah bon? Le jour où il y aura des zombies, il y aura plus personne, hein. C'est vraiment le... Oups. Ouais, mais on l'avait... Ouais, déjà, et en plus on n'avait jamais utilisé, donc voilà. Depuis le début, tu nous envoies du rêve avec tes bombes, là. Nous, on voulait voir ce que ça donne. Ouais, et du coup, votre rêve, c'était d'aller foutre le feu à un arbre, c'est ça? Feu à un arbre. Tu sais, le mec est trop con. Eh, j'ai gars, j'ai foutu le feu à la forêt, ouais. Mais comme ça, on va appeler les pompiers et tout. Mais y'a plus de pompiers. Ah merde! Et de toute façon, y'a plus d'eau non plus, hein. Oui, ah, c'est ça en plus. Ça brûle bien la pelouse, hein. Même le bitume il brûle. Ouais, j'avoue. Ah. Oula, Katox.
Je crois que les zombies ont répondu le feu aux spiffoses. Ah. Alors merci de parvenir à la base parce que... ils sont en train de foutre le feu au... à toute la ville. Aux voitures à côté, donc du coup... Super. Mais ça, vous avez été faire ça en ville? Bah juste à côté là, au pâté de maison qui suit quoi. Ouais, vous pouvez dire adieu à votre pâté de maison. Eh, c'est pas des bombes incendiaires hein. Moi je ouais, pas être, on m'a pas dit hein. Heureusement que c'est pas la bombe incendiaire. Moi j'ai vu bombe tuyau, je pensais que ça allait créer des tuyaux comme dans Mario quoi. C'est ça ouais. T'as des bombes carnivores qui sortent pour bouffer les zombies quoi. Ouais c'est ça. Mais oui carrément, mais carrément. Mais non mais vous abusez là. Qui leur tire des boules de feu dessus quand ils passent quoi. Le jeu qui se transforme en tower défense. Il résiste le spiffo hein. Comment ça il résiste le spiffo? Il va crever quand même là. Ah si, il y a quelques petites flammes sur le toit on dirait. C'est pas vraiment ce que j'appelle résister. Je les avais pas vus, c'est bon. Il est en feu en fait, mais il résiste. Il s'est pas encore écroulé. Tu crois que vaut mieux pas rentrer dedans hein? Non, c'est peut-être pas une bonne idée. Ouais, non, ça me paraît une idée de merde, ouais. C'est marrant qu'on puisse pas voir plus que ça à l'intérieur. Là, si tu peux construire un escalier. Si, c'est bon, je suis rentré, là. Il y a le feu dans les cuisines, mais sinon, dans la salle, ça va, on peut s'installer. on peut manger un truc. Ouais, il commence à y avoir des trous dans les murs, là, fais gaffe. Il y a du feu devant la porte, là. Ouais, mais je vais aller à la porte. Ouais, parce qu'il y avait un zombie que j'ai tué, mais... Et en fait, t'as plus qu'à commander un facho. Si tu viens là, à droite, là. Attends, j'équipe mon couteau. Pourquoi j'ai foutu si tu viens là, tu peux leur montrer le feu à l'intérieur sans risque. Non, vraiment, il n'y a pas de risque. D'ailleurs, j'y suis. Par là, ça va. Tu peux montrer là, au milieu le feu. Ah ouais, c'est pas mal, ouais, j'avoue. Bon, j'irai pas m'aventurer dans les cuisines ou dans les WC, oh, mais... Oh putain, courez. Oh putain. Pourquoi j'avais encore ça d'équipé? Le con. Quel champion du monde. Il y avait 14 dedans, je crois, non? Je me suis barré à temps. Mais par contre... Mais qu'est-ce que vous avez fait? On a rien vu, c'est bon. Oh là là. Je crois que t'as ramené 250 zombies sur ta position là. Et là, je te confirme que le spiffos est en feu. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont encore fait? Bah, en fait, je voulais... Je voulais filer un coup de couteau, mais en fait, on dirait qu'en objet principal, j'avais toujours une bombe. Donc, j'ai vu la bombe s'envoler, tu sais. J'ai eu à courir, cette merde. Mais vous êtes tant bien, c'est pas possible. Ah, j'imagine le site qui a dit, tiens, il fait du lancer de couteau, mon perso. Mais non, mais sérieux, qu'est-ce que vous avez fait du spiffo? Et pourquoi il y a plein de zombies en feu, là? Bah, parce qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu crois? On a pas mis le feu au spiffo, à la base, on a mis le feu aux zombies. Qui sont rentrés dans le spiffo. Enfin, sauf ta dernière bombe, quand même, elle était un peu dedans, hein. Ah, mais n'empêche, la dernière bombe, je l'ai balancée sur la camionnette du spiffo, et elle a résisté, hein. La camionnette? Bah ouais, elle a rien quoi. Non. C'est vrai? Ah bah écoute, en tout cas visuellement elle a rien. Ouais, pour l'instant. C'est quoi, y'a une deuxième qui a explosé ou quoi? J'ai entendu un truc exploser, ouais. Ça c'est toi, on était tous ensemble donc ça je suis sûr que c'est toi. Non, moi j'ai un couteau dans la main moi. Non mais ça doit être dans la cuisine, il doit y avoir des trucs qui pètent. Au point on en est hein. Eh hey, y'en a sûrement encore un là. Ouais, ouais, c'est Katox, c'est Katox qui fait mumu. Bah oui, là, c'est Katox. Je suis au milieu des deux, moi je fais rien. Non, le coup de feu c'est moi, mais comment ça, t'es un coup de feu? Mais pourquoi tu fais des coups de feu? Bah pourquoi pas, on est loin là, ça va. Mais on non, est loin on de la base et tout. Là, on est pas du tout, on est juste à côté. Ouais, enfin on est loin quoi. Non, mais sérieux, bon bah. Le truc c'est qu'on peut même pas fuir dans la base quoi. Ah si, je l'ai fait. Enfin, je crois. Eh, tu paries quoi que les zombies vont arriver? Mais ils vont arriver, ils vont venir en feu. Et le mur, il est fait de quoi, Dame Ned? Notre muraille qu'on a mis 17 épisodes à faire. Elle mais est non, en mais... quoi, d'après alors, toi parce que vous... Non, vous êtes faux, c'est faux. En fait, ils vont foutre le feu à la forêt, c'est la forêt qui va venir foutre le feu à notre base. Pas pareil. Oui, parce que tu penses que les zombies vont faire demi-tour. Non, mais ils vont mourir dans les flammes de la forêt. Non mais il t'a pas dit, finalement un petit panneau interdit aux zombies, comme ça ils peuvent pas rentrer. Eh finalement, je crois qu'on peut remercier Katox, hein, qui a fait un pare-feu entre nous et la forêt. Regardez, je suis en position, je les attends. Si on se met tous les quatre là en mode Ranger, Power Ranger, y en a aucun qui passe. Hein. Mais je crois que je suis tout seul. Ah non.
Ah non, je suis là. Regarde la team, on a la classe. Il y a un truc qui vient d'exploser là. Oui, c'est le Spifo. Ah du coup j'ai envie d'aller voir. Oh putain. Aslan, ouais. C'est le camion Spifo qui avait pas été atteint par les flammes, tu te souviens? Ah oui, oui. Celui-là. Mais non, mais sérieux, mais vous avez tout gâché là, sérieux. Mais moi, non, moi, je suis déprimé, moi. Vous me déprimez, c'est fini. Déjà que le signe noir, il se venge, mais d'une façon sournoise là, de me tuer comme ça dans la. Quoi ? Dans la voiture, en son absence. En son absence, je meurs et c'est quand même sa faute. Bah, j'étais pas là, ça pouvait pas être moi. Bah oui. T'étais pas là, mais c'était vraiment à un dixième de seconde près, quoi, hein, que t'étais pas là. C'est bien la preuve que c'était pas moi. Bah non, ouais. Je les attire vers le haut. Par hasard, la voiture qui saute en l'air, là. Oh là là. Non, mais c'est chaud, là, quand même. Hein. Je les attire vers le haut, du coup. Mais ils finissent bien par mourir quand ils sont en flamme comme ça, non ? Ouais, oui, mais mettre longtemps. Mais je le vois pas en flamme, en fait, quand je lui tourne le dos. Ok, ah, bah putain, j'ai le cœur qui bat, là. Plus haut, il y en a encore plus. C'est une bonne nouvelle, mais t'enfuis pas par là, Slan, tu fous le feu à la forêt. Non, c'est bon, il me suit plus. Ah bah, je te confirme qu'il te suit, hein. Piquer la forêt qui brûle. Non, non, il est plus derrière moi, je te jure, il est plus derrière moi, c'est bon. Viens voir là. Non. Viens voir là, s'il est plus derrière toi. Non, dis-moi pas que c'est la forêt qui brûle. Oh non. Ah, c'est la faute à Slan, du coup. Non, mais... Oh, merde. C'est ta faute, Slan, hein. Non, 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 mais ça va pas. C'est bon, regarde, c'est bon, ça s'éteint. Oui, ça s'éteint. Il y a le zombie enflammé qui ressort, mais... Je vais aller chercher toutes les bouteilles de cristalline, vite. C'est du cristalline. Figure-toi que je les ai toutes renversées sur le sol pour pouvoir faire des... Ah, merde. Oh non, mais t'abuses, quoi. Alors si vous avez soif, je vous conseille de trouver des toilettes quelque part. Putain. Bon, alors, est-ce que ça s'éteint, ce petit feu? Non, non, il y a un zombie en feu qui arrive là. Stop, restez là les zombies. Hein. Fait ça traverse pas. Hein. Bon, bah, ça va, ça s'arrête dans les arbres, c'est bon. NSF, hein, je pense. Ouais, bon, enfin, il y a un gros feu quand même. Non, c'est bon, il s'éteint. Ça va, ça se propage pas si vite que ça. Non, mais je pense que les forêts, quand même, ça brûle pas comme ça, quoi. C'est comme les spifos, quoi. Là, je suis plus infecté. Enfin, égratigné. Je suis ok. Il a dit infecté. 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 Comment ça? C'est le moment où jamais de tester une bombe incendiaire. Dommage qu'on peut pas la coller sur soi et appuyer sur un bouton en courant dans le groupe de zombies, tu sais, et que t'exploses avec. Ouais, mais ce serait socialement compliqué à démontrer. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. En 2019, ça passe pas trop, ça. Ouais. Autant en 2017, ça va encore, mais en 2019. C'est vrai. Et vous avez vraiment ruiné le Spifo, hein, sérieux. Bah, ouais, et ben en même temps, la dernière fois que j'y suis allé, il y avait plus de burgers. Alors, ça sert à quoi un restaurant qui fait plus des burgers? C'est plus un restaurant, donc ça sert à rien. Je sais pas, parlons-en aux vegan, ils seront heureux. Ah, y a pas, encore y a un plus truc rien. Qui brûle, hein. C'est un zombie qui brûle encore. C'est un zombie avec une aussi grosse flamme que ça? Quel bordel. Cool. T'as pensé à remettre le couteau dans ta main? Comment ça? Je vois pas de quoi tu parles. Est-ce que c'est l'hélico que j'entends ou y'a que moi qui l'entends là? Ah non, non, y'a pas que toi qui l'entends. J'entends l'hélico aussi. Bon. Faut se mettre à la base. Qui a un lance-roquette? Ouais, dégommez-le. C'est bon. Regardez, nous filmons dans la base, les survivants. C'est étrange, les survivants nous visent avec ce qui semble être un gros tuyau. Attendez, je vois de la fumée. Oh purée, j'ai soif. Oh putain, y'a un... C'est nous attaque au patator, attention. Ouais, au patator. Oh là là. Ça tombe mal, là j'ai soif d'un coup. C'est ballot, hein, ça t'apprendra. Y'a de la javel si tu veux. Non, mais t'as pas vraiment goûté toutes les bouteilles d'eau. Mais si, bah attends, tu crois que Slan il déconne? Non, y'a qu'une bouteille d'eau, c'est bon. Y a encore des bouilloires d'eau, je crois. Y'a des bouilloires avec de l'eau dedans. Y'a même des bouteilles d'eau, des vraies quoi. Ouais, j'en ai utilisé qu'une quinzaine, hein. Ah, mais y'a des bombes incendiaires par terre. Bah oui, je vous ai laissé les bombes incendiaires. Non, mais à la base, quand on dit rentrer dans la base. C'est être dans la base. Le signe reste dehors, comme ça il est sûr que l'hélico fait bien 3 tours de lieu. Ah,
C'est ça le concept. Bon, du coup, faut qu'on trouve une activité là. On va manger. Un fromage frais. Est-ce que si on met la télé, on peut se voir? On va se regarder la télé. Maman, ah ouais, pas con ça. Allez, on fait ça. On se met tous là, on s'assoit sur les chaises. On se met pas sur la télé, les mecs. C'est chiant qu'on puisse pas être en position assise, ça aurait été trop drôle quoi. Ça aurait été sympa, ouais. Et j'entends, voilà. J'entends vraiment des bruits bizarres quand même. Hein. Je suis avec le professeur Jack Wilson. Oh. Scientifique travaille avec l'armée. Ouais, mais ça c'est pas nous ça, normalement ils disent pas en direct, non? Exposure survival, ah bah ça a l'air bien ça. C'est nous ça. Pourquoi je suis si lourd que ça? C'est quand même pas si lourd que ça. Eh, les bombes tuyaux c'est très rare et très cher, hein. Vous les utilisez pas. Non, t'inquiète pas. Les bombes incendiaires ça va, mais les bombes tuyaux c'est vraiment dur à faire. Oui, hein, on a un camp. Ouais, on a plutôt une réserve d'eau et on n'a pas de doupidou, oui-ou. Attends, j'essaie de trouver la bonne chaîne, mais on dirait que non. Voilà, c'est l'heure de visiter le bois magique. Ah bah, c'est nous ça. Sponsorisé par le Spiffo. C'est les Spiffo. C'est génial. Ah, ce jeu nous troll, c'est génial. C'est un bien joli gland auquel il s'accroche. Oh non. C'est horrible cette phrase. Le bois magique sponsorisé par le Spiffo, c'était parfait, mais juste parfait quoi. Oh putain. Tu connais le bois magique? Bah oui, c'est un bois magique qui prend feu et s'éteint tout seul. Magie. Sponsorisé par le Spiffo, putain, c'est génial. Oh la vache. Ah, c'est génial, putain. Le jeu, il est génial. Venu, bois magique. Ouais, venu, ouais. Ah, génial, t'as bien fait d'allumer la télé, bravo. Hein. C'était magnifique. Ah, c'est magnifique. Ah ouais. Attends, ouais, je vais remettre les news, peut-être qu'on va se voir. Ce serait bien. Non. Ok, je suis catégorique, non. Bon bah voilà. La propagation a ralenti. Et contenue. C'est cool. Non, la propagation est ralentie, parce que si t'as plus de vivants, t'as plus de propagation. Ah putain, j'ai rigolé. Oui, c'est vrai. Ça. Ça se tient. C'est des années à éviter des vérités dérangeantes avec les gens. Tu vois. Votre patron vous donne du fil à retordre. Les enfants vous rendent fous. Un bon vieux fil à canoncier. Donnez-les aux zombies après. Bombe tuyau, solution. Allez à Fornox. Oh, le nouveau cône au chocolat. Oh non, je suis déçu. Oh là là. Encore? Il est toujours là, ouais. Non, mais il était parti. Il est revenu. Ah bah, y'a plus rien. Moi, j'ai rien qui. J'ai pas eu de talent qu'on montait. Si, j'ai eu course quand même déjà. Bien. Ouais. Bon, on se fait un billard? Ouais, on peut pas, c'est triste, hein. Pourtant on a tout ce qu'il faut, je peux le démonter. Mais vous êtes sûr que l'hélicoptère il se barre si on se cache? Parce que je suis pas convaincu de l'idée là. Je sais pas, en vrai. Moi non plus, je pense pas. Et il est beau ton truc américain là. Puis tu sais, en 2019 on arrive à faire des caméras qui passent à travers les murs et tout, donc les mecs sont là. Oui, on les voit, ils sont tous les quatre devant la télé, on comprend pas pourquoi. Vous voyez, y'a pas d'infection, ils sont tous. Oh putain! Oh putain, le nombre de zombies qu'il y a dehors! Oh bordel de merde! Non, n'ouvre pas! Oh putain, mais c'est en flamme! Ils arrivent en flamme en fait! Oh. Ah, mais ils ont traversé! Ah non! Oh putain! Une bagnole, on se casse! Eh merde! Sans déconner, putain, mais y'a une armée! Y'a une armée derrière le mur! Drum. Bon, sors une voiture. Les bagnoles! Bah, faudra ouvrir la porte. Oh putain! Non, sérieux! Bah, ok, moi je tiens la porte avec Damned. On tient la porte. Prenez les bagnoles. J'ai plus de hache. Pourquoi j'ai plus de hache? Ma hache est cassée, putain, ma hache est cassée! J'ai plus d'armes! Je tiens la porte! J'ai un flingue, hein. Mais faut pas tirer, non! Bah, je fais quoi? J'ai plus d'armes! Elle a cassé, ouais, putain, ma couteau de tournevis, oh là là, ils sont sur la porte. Pour l'instant, on peut sortir des bagnoles, mais. Je suis en flamme, putain! Non, le signe, t'es pas en flamme. C'est bon, je suis plus en flamme. Je vous attends. Hein. Vas-y. Ça va péter là, ça va péter. Il faut monter dans les bagnoles. D'où ça va péter? Qu'est-ce qui va péter? Mais on a un moyen de sortir. Oui, j'ai ouvert la porte. Et là, faut bien viser. Attention, la bagnole peut prendre feu. Oui, ça va. Hein. On fait ce qu'on peut. Je te rappelle que j'étais là la saison 1. Oh, purée. Eh, mais vous m'avez pas attendu? Mais vous êtes sérieux, les mecs? Je conduis pas, hein. On revient, enfin je crois.
T'es où, Slan? T'es où? Bah, j'ai une voiture. Je suis en train de courir. C'est mais... bon, Slan, vas-y, on arrive. Arrête-toi, y'a Slan derrière. Ouais, mais on a pas où, de place. Il est où le signe? Y'a pas de place derrière? J'arrive avec le taux. Y'a pas de place à votre connerie. C'est une deux places. Oh putain, bagnole avec le signe. Y'a le signe. Rentre. Ah non, je monte pas dans ça. Non, je monte pas dans cette bagnole. Démerde-toi. Casse-toi. Mais Slan, arrête. J'ai pas la clé. Mais putain, ça fait cool. Non, le signe, tu rigoles ou quoi? Je monte pas dans ta merde. Mais j'avais que ça comme clé, putain. Je veux pas le savoir, mais sérieux, tu peux prendre n'importe laquelle, quoi. Au moins, il y a le plein, quoi. C'est vrai que la nôtre, on est sur la réserve. Non, c'est un autre qui descend, et moi, je monte dans l'autre bagnole. Putain. Oh non, bon, le tweet. Non, mais je suis mort une fois, là. Attention, mais t'as l'air sous toi. Hop. T'inquiète, attends, je vais les ralentir, c'est bon, je vais les ralentir. De prendre une boîte de clous. Ne me tente pas. Mais grimpe, Slan. Non. Écarte-toi, mais arrête un peu. Ah, si. C'est... Ah non, je suis mort. Quoi, putain. De quoi? Mais comment t'es mort? Mais ça va. T'es monté en feu dans la bagnole. Non, j'ai pas dû faire gaffe, je devais saigner un truc du genre, là. Ah bah moi je saigne peut-être aussi, j'ai pas regardé. Non, ça va. Moi ça va. Mais pourquoi t'es mort, le signe? Mais je sais pas pourquoi je suis mort, est-ce que je te pose des questions compliquées, moi? T'es monté en feu dans la bagnole, je suis sûr. Non, je suis sûr que j'étais plus en flamme, je suis sûr que j'étais plus en flamme. Je suis impatient que tu réapparaisses au Twiggies. Hein. Oh non, il va réapparaître dans le Twiggies. Il faut aller le chercher, les mecs. Allez, on y va. On aille le chercher. Ouais, bah, on écoute, y va, ouais. C'est plus mais nous, on a que deux places. On a que deux places. Ah, je vais il faut aller, descendre hein. De la bagnole, il faut aller le chercher. Hein. Eh, ils sont tous en feu, les zombies. Ils sont tous en feu partout. Hein. Bah, oui, on se demande quel est le connard qui a commencé à incendier tout. On se demande bien, ouais. Ouh, effectivement, je vois ça. Ah, oui. On va continuer notre chemin, partir par là-bas, c'est bien. Il y a plus de zombies aux Twiggies, hein. Il y a juste des fleurs. Plus de zombies, ouais, mon cul. Bah écoute, je sais pas quoi te dire d'autre, celui-là. Il est beau le mur, hein. Allez, viens dans notre deux places où on est déjà deux. Oh là, la manœuvre. On a une blessure, merci. Mais bougez pas, j'essaye de trouver une voiture. Je protège vos arrières. J'allume des contre-feux. Bah du coup, il y a quelle voiture qui reste en fait. Bah oui, je suis en train de regarder les voitures, mais j'ai l'impression qu'on a plus les masses de clés, quoi. Ah si, là il y a des clés. Ouais, mais est-ce que c'est la bonne clé de la bonne bagnole? Ah putain, c'est pas la bonne clé. Ok, le Twiggies est... Ah si, c'est le bon. Le Twiggies est plus en feu, si vous... le Twiggies est plus en feu, si vous voulez faire le plein, c'est le moment. Le Twiggies est plus en feu, t'es pas rentré dedans, hein. Je suis dedans, je suis en train de me balader dedans, il y a plus de flammes. Ah bon, il y avait des grosses flammes sur les caisses il y a deux secondes. Ouais, il y a plus rien. Il y a plus de mur aussi, mais il y a plus rien. C'est bon. Mais on pourra pas tenir là, hein. Ils sont tous derrière les murs là. Ah, ils reviennent dehors. Tirez-vous, sortez. Sortez tout de suite. Sortez tout de suite, les gars. Dépêche-toi. Attends, la voiture en haut, j'ai la clé. Mais est-ce qu'il y a moyen qu'on les tienne? On pourrait peut-être essayer quand même de les combattre. Attends, j'ai une arme ou pas là? Moi, du coup, j'ai pas pu reprendre d'arme. Hein. Le problème, c'est qu'ils sont tous en feu. Tu veux faire comment? Bah, moi, je suis dedans, je suis en train de prendre des armes perso. Enfin, une hache, plus ou moins. Je peux vous attraper des couteaux si vous voulez. Par contre, j'ai 4 masses sur moi, ça fait un peu lourd. C'est mieux. T'es un peu tendu quand même quand ils sont en feu. Ouais. Oh, mais amène-les pas vers les voitures. Ah, elle est belle ta bagnole, je monte dedans. Mais comment tu vas sortir? Bah, justement, j'étais en train d'essayer de négocier, t'as amené des zombies enflammés partout. Ah, tu montes à l'arrière. Wow, mais attends, je vais bouger la blanche. Mais ça va pas passer, hein. Fais gaffe, Katox, y'a pas de vitre dans celle-là. Ouais, bah écoute. On se casse! Damned, t'es où? Damned? Eh, mais où? Il manque Damned, hein. Je suis en train de faire le plein d'armes et autres. Eh, les gars, il manque Damned. Bah, je t'attends à l'extérieur. Oh putain, les flammes partout, quoi. Je fais au mieux. T'arrives, qu'est-ce que je peux prendre? Vous voulez que je prenne de l'essence ou pas? Oh là. Eh, je vous ai dit les bombes, c'était juste au cas où. D'accord, bah. Le spiffo, okay, c'est beaucoup trop près. Vous êtes où? Damned, devant. Oh, regardez, y a de toute façon, y'a pas de vitre sur celle-là.
Ah. C'est la bagnole dans laquelle t'étais. Bah oui. Ouais, bah t'as son tour. Hey, je veux te dire, t'aurais pas survécu. Hein. Y'a des fusils à canoncier dedans, mais bon. Ah bah on va y aller. J'ai pris deux fusils à canoncier, deux fusils à pompe, 36 cartouches de fusil à pompe, une hache, les balles de flingue, et j'ai dû partir. Une jerrican d'essence, et j'ai dû partir. Bah écoute, moi ce que je propose, c'est qu'on arrête l'épisode sur cette magnifique réussite. Défaite. Encore une défaite. Non. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire de ce que vous en avez pensé. On va discuter entre deux épisodes. Oui, par exemple. Oh ouais, putain chaud. Putain, la vache. Allez, ouais, la voiture, j'arrête le record ici. Salut à tous. Attention. À plus. Quel final.